Dans cette vidéo, nous allons parler de la conclusion numéro 1 et on va y répondre à une question. Comment les réseaux sociaux gratuits se financent-ils? Les réseaux sociaux génèrent des revenus importants. Vous avez un exemple en dessous, vous avez le chiffre d'affaires d'une année de Facebook. Donc là, bien sûr, ça correspond à une année particulière, ça évolue, ça change d'année en année. Mais on a 60 milliards de dollars par an. Donc on a bien des revenus importants. Pourtant, ils sont gratuits pour les utilisateurs, ces réseaux sociaux. Donc d'où vient cet argent? Comment ils arrivent à générer des revenus? Ben, ce sont les données personnelles. Et les données personnelles, ça va être quoi? Ça va être la navigation que vous avez sur ce réseau social, c'est-à-dire ce que vous avez liké, ce que vous avez aimé, les amis que vous pouvez avoir, les chaînes YouTube que vous pouvez, auxquelles vous êtes abonné, etc., qui vont être vendus pour cibler les publicités pour chaque utilisateur et faire des statistiques à grande échelle, à visée commerciale ou politique. Donc finalement, ces données personnelles seront vendues à des entreprises qui ont des visées commerciales ou des visées politiques pour vous influencer et pour cibler des informations qui vont vous être apportées sur la page du réseau social que vous allez consulter. Ensuite, vous voyez qu'entre parenthèses, il y a marqué utilisation d'algorithmes. Donc, on utilise des algorithmes sur ces pages pour justement tirer le meilleur parti de ces informations personnelles, de vos données personnelles. Ça veut dire qu'un algorithme, c'est quoi? C'est, dans un premier temps, une méthode de résolution d'un problème particulier, d'un problème type. C'est-à-dire, par exemple, comment rendre de la monnaie, quelle que soit la somme que vous devez payer et quelles que soient les pièces que vous possédez. Et ben en fait, on va créer un raisonnement en français ou en anglais, mais avec un langage simplifié, avec des mots très simples, qui vont nous permettre, si on suit cette méthode, de toujours réussir à rendre la monnaie, quelles que soient donc les sommes que vous payez. Donc, on crée un algorithme pour répondre à un problème particulier. Et ben les algorithmes qui sont utilisés ici ont pour but de tirer de vos données personnelles les meilleures publicités ou les publicités qui sont les plus pertinentes pour vous, pour vous inciter donc à acheter certains produits ou à voter pour une certaine personne. Il faut savoir aussi que ces algorithmes ne sont pas des programmes informatiques, c'est-à-dire qu'il va falloir ensuite traduire ces algorithmes en langage informatique pour pouvoir être utilisés dans les ordinateurs. Donc, quand on parle d'algorithmes, ce sont des méthodes de résolution de problèmes ciblés.